Bien, nous allons voir dans cette vidéo comment modifier l'angle de pliage d'une pièce. Donc actuellement, nous avons une pièce qui a été pliée à 90 degrés et nous allons voir comment la plier à 60 degrés. Donc pour cela, on va intervenir encore une fois dans l'arbre de création. On va dans déplier pliage 1, puis choisir pli défini à plat. On fait un clic droit et éditer la définition. Ici, différents paramètres peuvent être modifiés, en particulier ici, l'angle de pliage. Donc ici, je vais modifier 90 et le remplacer par 60. Et je valide. Voilà. Mon angle de pliage a été modifié. Je peux vérifier le nouvel angle en choisissant l'outil cotation, en venant ici, puis ici. Voilà. Donc, il me propose cet angle-là, 120 en effet, 180 degrés moins 120, ça fait bien 60 degrés. L'angle est actuellement de 60 degrés ici, 120 si je prends par ici. Voilà, on n'oublie pas d'enregistrer ces modifications pour qu'elles soient prises en compte.